Ouais, mais j'ai plus rien à miser, là. Abruti. L'avion. T'as quoi à me montrer? Bah, tu sais quoi, cet avion, je vais quand même le prendre. Bienvenue à bord. Moi, c'est Wilson, mon nom, et tu dois être George Rackham. Ouais, c'est moi, Rackham, ton pilote. Eh ben, ça alors! Ça, j'en suis pas si sûr. C'est bon, je te dis. On a fait un super coup. Ça vaut bien une médaille. Si tu veux que je ferme ma gueule, alors tu dois me faire la promesse que tu me ramèneras en un seul morceau. Ouais, compte sur moi. Jure-le. Je veux ta parole. D'accord, c'est promis. Bon, je l'aimais bien, ce type. Mais il était un peu naïf. Monsieur, je pense que ceci vaut le coup d'œil. Bonté divine, je veux bien avoir un sacré pilote. C'est sûr, un sacré pilote. Nous avons presque aussitôt repris l'air. Notre mission consistait à ouvrir la voie aux bombardiers, pour qu'ils puissent détruire cette forteresse. Avant tout, il faudrait détruire ce barrage de dirigeables. Bon sang. Je plaignais presque les observateurs Bosch. Ensuite, il faudrait s'occuper des camions de DCA. L'assaut battait déjà son plein à notre arrivée. Il allait falloir s'occuper de toutes ses défenses, puis escorter nos bombardiers jusqu'à la cible, quand ils approcheraient. Une mission difficile, mais une victoire ici changerait le cours de la guerre. La pas légère. Une situation qui n'enchantait pas Wilson. Maintenant qu'on est en action, ça a vraiment l'air dangereux. Fais-moi confiance. Allez, boucle quand même ta ceinture. Ah bah, c'est dirigeable. Il faut ouvrir la voie à nos bombardiers. C'est facile. Surveille mes arrières. Ballon abattu. Merci de me le dire, Aide de Lynx. Toujours en un seul morceau. Ah, bordel.
Vous failliez me faire emporter la tête.